Bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h35, heure de Paris. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Quelle chaleur mes amis. Nous vivons depuis quelques semaines une véritable canicule. Et voilà, j'imagine, et j'ose même pas imaginer, je dirais plutôt, comment ça va se passer, ce qui se passe en enfer, comment ça va se passer dans le lac de feu. Père, au nom de Yeshua, je voudrais ce soir te dire merci pour ce que tu es. Merci pour ton esprit qui nous aide. Nous sommes faillibles. Nous avons des failles. Nous avons des défauts. Mais tu nous aimes. À toi seul la gloire, papa. Au nom de Yeshua. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, mes amis. On va rapidement prendre un passage dans le livre de Matthieu 18 et on va revenir sur Matthieu 19 après le verset 13. On va revenir sur Matthieu 19, 13. Voilà, Matthieu 18, on va lire à partir du verset 1er. Matthieu 18. En cette même heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus en lui disant « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? Alors, les apôtres s'attendaient à ce que Dieu, à ce que Jésus leur dise. Eh ben, ce sont les prédicateurs. Ce sont des hommes et des femmes qui font des miracles. Ce sont des hommes et des femmes qui évangélisent. Ce sont des hommes et des femmes qui imposent les mains aux malades et les malades sont guéris, délivrés. Ils s'attendaient certainement à ce que le Seigneur leur dise. Ce sont des hommes et des femmes qui font 4 heures de prière, 5 heures de prière, qui jeûnent tous les jours. C'est une question capitale. Qui est le plus grand? Ils s'attendaient certainement à ce que le Seigneur leur dise, eh ben, c'est celui qui a la plus grande église. C'est celui qui est, le plus grand prédicateur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? On nous dit au verset 2, « Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux et leur dit, « Je vous le dis en vérité, que si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Waouh ! C'est pourquoi quiconque deviendra humble comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, il me reçoit. Mais quiconque scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une meule d'âne et qu'on le jette au fond de la mer. Waouh, Seigneur, mon Dieu. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Mes amis, c'est terrible. Nous voulons parler de la grandeur selon Dieu. Nous voulons parler, mes amis, de la manière dont Dieu voit les choses. Dieu, mes amis, ne considère pas les choses de la même manière que les hommes. La grandeur selon Dieu. Et la question que les disciples posent au Seigneur est légitime. Vous savez, ils étaient là autour du Seigneur et ils se bousculaient. Rappelez-vous bien Jacques et Jean qui vont jusqu'à faire intervenir leur mère pour demander au Seigneur de s'asseoir l'un à sa gauche et l'autre à sa droite dans son royaume. Et quand les dix autres apôtres ont appris cela, la parole nous dit qu'ils ont commencé à contester, à se disputer avec les deux apôtres. Il est question ici, mes amis, du positionnement. Le positionnement, se positionner. Et l'être humain, malheureusement, est comme ça. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et comme on l'a lu, le Seigneur va prendre un petit enfant et il le met au milieu. Il leur dit, regardez cet enfant-là. Cet enfant n'était ni pasteur, ni apôtre, ni prophète, ni prédicateur, ni dirigeant d'église.
Cet enfant ne mémorisait même pas des versets de la Bible, les versets de mes amis de la Torah. Cet enfant était innocent. Cet enfant était humble. Et le Seigneur lui dit, il leur dit, eh ben, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme ce petit enfant, ben, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pourtant, il s'adresse à ses disciples. Ils étaient ses disciples. Le Seigneur ne parle pas aux païens. Il ne parle pas aux religieux. Il parle à ses disciples. Et il leur dit qu'il fallait qu'ils se convertissent. Ils étaient disciples du Seigneur et ils n'étaient pas convertis. Il leur dit qu'il fallait qu'ils deviennent humbles comme des enfants. Ils n'étaient pas humbles alors qu'ils étaient disciples de Jésus. Donc, on comprend par là que vous avez des individus qui portent le nom de chrétien, le nom de disciple et qui ne sont pas enfants. On va voir tout à l'heure les caractéristiques d'un enfant. On nous en a donné une, l'humilité. Allons voir encore ailleurs. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 13. Alors, on lui présenta des petits-enfants afin qu'il leur impose les mains et qu'il prie pour eux. Mais les disciples les reprenaient. Et Jésus leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Puis il leur imposa les mains et il partit de là. Waouh ! Il dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Donc Jésus ici nous demande, à nous tous, à moi le premier, à vous, il nous demande de nous, n'est-ce pas, ressembler aux enfants. Et ce n'est pas toujours facile. Vous savez pourquoi ? Regardez les enfants. Ils sont dépendants de leurs parents. Ça, c'est une des caractéristiques d'un enfant. La dépendance vis-à-vis de leur père, de leur mère. Ben oui, vous savez pourquoi ? Parce que il en va de leur survie. Ils dépendent de leurs parents sur presque tout le plan. Sur le plan, mes amis, éducationnel, sur le plan alimentaire, sur le plan, mes amis, émotionnel, parce qu'ils ont besoin d'être construits émotionnellement. Ils dépendent de leurs enfants, parce que quand de leurs parents, quand on parle des enfants, on parle des pères, des mères, on parle des parents. Donc le Seigneur ici nous présente une des premières caractéristiques d'un enfant, c'est la dépendance vis-à-vis de leurs parents. Vous avez vu le fils prodigue, il a pris ses biens, il est parti loin de la maison de son père. Il a tout gaspillé dans la débauche. Il se retrouvait dans la disette, dans la souffrance, dans la pauvreté. Et la parole nous dit qu'il va rentrer en lui-même. Et il va dire, combien d'ouvriers ont du pain, ont de la nourriture chez mon père. Je retournerai chez mon père et je dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Voyez, c'est ce que Dieu veut des enfants. La dépendance des enfants vis-à-vis de leur père, de leur mère. Et ici, Jésus veut que nous soyons des enfants qui dépendent, n'est-ce pas ? Des enfants qui dépendent du Père céleste. Qu'est-ce que la parole nous dit dans Jean 1, au verset 12 ? À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voyez ? Donc, nous sommes enfants de Dieu, quel que soit notre parcours, quel que soit le nombre d'années que nous avons dans le Seigneur, Dieu veut que nous soyons, moi le premier, des enfants devant lui. C'est-à-dire la dépendance. Le fils prodigue a pris ses affaires, il est parti loin. Il ne voulait plus être dépendant de son père parce qu'il pensait qu'il avait déjà tout reçu. Il pensait qu'il avait tout et il n'avait pas besoin de son père. Regardez bien mes amis. Son père, nous dit la parole, lui avait donné tout son héritage. Et le fils prodigue est parti avec son héritage. Il est parti avec tout. Il n'a pas laissé une miette. Il a tout gaspillé dans un pays étranger. Et quand il est revenu, la parole nous dit
Son père lui a donné la plus belle robe. Ça veut dire quoi? Ce que le Père céleste nous donne aujourd'hui, mes amis, ces choses que nous avons reçues aujourd'hui n'ont rien à voir avec les choses qui nous réservent pour l'éternité. Donc, si je prie pour un malade et que Dieu le guérit, je ne dois pas me glorifier au point de dire que je ne veux plus prier le Père, je ne veux plus le craindre, je ne veux plus lui obéir parce que j'ai déjà reçu une renommée, j'ai déjà une renommée, je suis connu dans le monde, les gens me connaissent, tout ça là, je dois maintenant bouger pour bouger, faire ce que je veux. Non, je dois toujours m'attendre à mon Père céleste. S'il me dit « bouge », je bouge. S'il me dit de ne pas bouger, je ne bouge pas. C'est ça la dépendance que Dieu veut. Jésus-Christ, homme, malgré qu'il avait reçu l'onction sans mesure, l'esprit sans mesure, malgré le fait qu'il avait, mes amis, la connaissance que personne n'avait, il était toujours dépendant du Père céleste. Waouh! Dieu veut que nous soyons dépendants de lui, mes amis. Je prie, je refuse, j'ai toujours refusé le succès sans Dieu. Je ne veux pas de la gloire sans Dieu. Je veux, mes amis, voir Dieu élevé, glorifié. Je prie, je prierai toujours d'être un enfant devant mon Père céleste. C'est important. Ne soyons pas comme le fils prodigue, ne soyons pas comme ce fils prodigue, des gens qui reçoivent la grâce de Dieu, qui reçoivent des dons de guérison, de miracles, l'onction, le succès, et qui ne veulent plus être à l'écoute de l'Esprit de Dieu, de ce que Dieu nous demande. J'ai toujours dit au Seigneur, Seigneur, si tu me demandes de faire des choses, si tu me parles clairement, je veux obéir. Même si tout le monde n'est pas d'accord, mais je veux te suivre. Je ne veux pas suivre les hommes et te désobéir. Seigneur, je refuse. Voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons comme les enfants. Voyez? Regardez un enfant. Si vous, n'est-ce pas, vous lui faites des reproches, il peut pleurer. Mais il va revenir parce que tu es son père, tu es sa mère. C'est ça, la dépendance. Et cette dépendance-là, nous devons l'avoir vis-à-vis du Père céleste. Même si Dieu nous châtie, et il nous châtie comme un père châtie ses enfants. Voilà pourquoi le Seigneur veut qu'on soit comme des enfants. Il n'a pas dit soyez comme des adultes. Il nous demande d'être des hommes et des femmes matures par rapport au discernement. Mais par rapport à la dépendance, Dieu veut que nous soyons comme les enfants. Voyez mes amis, voilà les enfants. Donc, il y a plusieurs termes grecs traduits par enfant. Voyez, ces termes-là, ont des significations différentes. Il y a par exemple nepios, on le voit dans le livre de Galates 4, où il est dit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis, il ne diffère en rien d'un esclave. Là, quand la parole nous demande de ne pas être des enfants, c'est par rapport à nos droits, par rapport à nos devoirs, par rapport à notre héritage, par rapport à notre identité. Nous ne devons pas oublier notre identité. Nous devons savoir qui nous sommes dans le royaume de Dieu. Par rapport au péché, nous devons être des adultes selon dans le Seigneur, des gens qui sont capables de discerner le bien du mal. Le bien, le mal, faire la différence entre le bien et le mal. Là, il faut être mature. Mais par rapport à la dépendance vis-à-vis du Seigneur, Dieu veut que nous soyons comme des enfants. Même quand il nous châtie, ça fait mal, mais on ne va pas faire marche arrière parce qu'on est blessé. Non, Seigneur, je veux continuer malgré les combats. Seigneur, je veux toujours venir vers toi. Vous voyez, un enfant, tu peux lui dire, va là-bas. Il va y aller, mais il va revenir. La dépendance. Je voudrais beaucoup mettre l'accent sur ce que je ressens dans mon cœur, la dépendance que nous sommes censés avoir vis-à-vis du Seigneur. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc la première caractéristique d'un enfant, c'est la dépendance que l'enfant a vis-à-vis de ses parents. Pourquoi? Parce que l'enfant sait que pour manger, il faut papa, il faut maman.
Voilà. Pour avoir du lait. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2. Pour avoir du lait, ben, il faut mes parents. Voilà. Regardez ce que la parole nous dit. 1 Pierre chapitre 2, nous lirons à partir du verset 2. Désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui, si toutefois vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Voyez mes amis, et la parole nous demande, ici Pierre nous demande de désirer le lait spirituel comme des enfants nouveau-nés. Dieu est notre Père. Dieu veut que nous soyons avec lui. Je dis, Seigneur, je ne veux pas bouger pour bouger. Je ne veux pas courir ici et là pour faire l'œuvre à gauche, à droite. Je veux d'abord être à tes pieds. Parle-moi. Quand des gens me disent, frère, avec l'onction que Dieu te donne, on peut faire des grands programmes ici et là. On peut aller dans le monde entier. Je leur dis, oui, mais est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Voilà. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Faire comme le fils prodigue parce que j'ai reçu un héritage? Non. Parce qu'une fois que tu es détaché du Père, une fois que tu es détaché de la source, eh ben, tu n'es plus une bénédiction pour les uns et les autres. Non. Ayant toujours cette relation avec le Père céleste. C'est important, mes amis. C'est important de dépendre de lui dans la prière, de dépendre de lui en méditant sa parole chaque jour. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, les épreuves. Et désirons toujours ce lait. Dieu, même si nous avons fait 30 ans dans l'œuvre, 30 ans, 40 ans dans la vie chrétienne, mes amis, Dieu restera toujours notre Père. Et devant lui, nous serons toujours ses fils et ses filles. Nous serons toujours ses enfants. Voyez ? Et nous devons être toujours dépendant de lui pour pouvoir être alimenté, pour être nourri par lui, abreuvé par lui. Et là, on nous demande de désirer ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel. Pourquoi? Parce que par cette, mes amis, en prenant ce lait, en buvant ce lait, on va grandir, on va croître. Voilà, mes amis. Nous allons voir dans le livre de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous lirons à partir du verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les enfants de Dieu sont dépendants de Dieu. Et parce qu'ils sont dépendants de Dieu, ben, ils sont conduits par lui. Voilà. Quand le Seigneur dit « Soyez comme des petits enfants », il nous demande de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, tous ceux qui sont conduits. Vous voyez, un enfant, eh ben, les parents, nos parents, comment ils ont fait avec nous? Ben, ils nous prenaient par la main et on marchait ensemble. Voilà. Quand on montait dans la voiture de nos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils nous conduisaient. Quand vous-même, vous conduisez vos enfants, regardez ce que vous faites. Vous mettez le siège, mes amis, pour bébé derrière ou devant. Hein? Et puis, vous mettez votre enfant et l'enfant, est-ce qu'il boude? Non, papa, je ne veux pas aller par ce chemin-là. Prends à gauche. Ah, papa, tourne à droite. L'enfant, il monte dans la voiture. Que tu tournes à gauche, à droite, que tu t'arrêtes, ce n'est pas son problème. Voilà. Voilà pourquoi il faut être comme des enfants. Le Seigneur dit à Pierre, Pierre, quand tu étais, n'est-ce pas, avant ta conversion, tu faisais ce que tu voulais. Tu allais où tu voulais quand tu étais jeune. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te conduira et te mènera où tu ne voudras pas. Quand Dieu maintenant va visiter Pierre, il va lui dire, va chez Corneille. Pierre a dit, Seigneur, jamais. Le Seigneur a dit, tu vas y aller. Oui, mais Seigneur, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Dieu dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le considère pas comme impur. Mange. Parce que tu es enfant de Dieu, Dieu va te faire des choses que tu n'aimes pas. Et tu vas les faire et tu vas finir par les aimer. Et une fois que tu les as aimés, Dieu va te dire maintenant, passe à autre chose. Voilà la dépendance que Dieu veut que nous ayons vis-à-vis de lui. Nous sommes dépendants de lui pour être alimentés, pour être nourris, pour être abreuvés en vue de notre croissance.
Nous allons être dépendants de lui pour être conduits. Vous voyez, dans la dépendance là, vis-à-vis du Seigneur, il y a plusieurs aspects. Il y a, le premier aspect, c'est la nourriture, l'alimentation. Sans Dieu, on est mort. On va être affamé. Deuxièmement, le deuxième aspect de la dépendance vis-à-vis du Seigneur, c'est la conduite. Dieu veut nous conduire. Être dépendant de lui, c'est être conduit par Dieu. C'est le fait conduire par Dieu. Troisièmement, dans la dépendance vis-à-vis du Seigneur, on va être, mes amis, vêtus. Eh ben oui, comme un enfant, on va lui mettre des couches. Dieu va nous habiller comme il a habillé Adam et Ève, parce qu'ils étaient nus. Dieu veut nous habiller. Or, pour nous habiller, il nous déshabille d'abord, il nous dépouille. Et ça fait mal. Ben oui, nous sommes enfants, premièrement, parce que nous sommes dépendants. Pourquoi ? Parce que Dieu doit nous nourrir. Nous sommes dépendants parce que Dieu doit nous conduire. Nous sommes dépendants parce que Dieu doit nous habiller. Ben oui, il ne va pas t'envoyer ici et là sans habit. Voilà pourquoi Dieu veut que nous soyons dépendants de lui. Le Seigneur dit, je ne fais rien sans avoir vu le Père le faire. Il dit, ma doctrine ne vient pas de moi, mais vient du Père. Vous voyez, il était dépendant, Yeshua, homme, il était dépendant du Père. Il dit, le Père m'a enseigné. Il dit au Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce n'est pas toi qui décides, ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est pas nous, ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas nous qui décidons. C'est Dieu qui doit décider. Ah non, je ne veux plus faire ci, je ne veux plus. Il y a toujours le je. Toi, tu es qui ? Seigneur, que ta volonté soit faite. Je suis sur l'autel, c'est le feu. Je brûle, je pleure, je suis blessé, je crie, je saigne. Seigneur, c'est difficile. Je ne veux plus faire telle chose, mais c'est toi qui dois décider. Je ne veux plus voir telle personne, mais c'est toi qui décides. Oui, frère, sœur. Je sais que parfois, vous pouvez souffrir à cause de vos enfants, à cause de vos filles, vos fils qui sont grands, à cause de vos parents, à cause de vos voisins, à cause de chrétiens, à cause de vos employeurs. Mais qu'est-ce que Dieu dit ? Seigneur, sauve-nous. C'est la question que je me pose. Je me la pose à moi-même aussi, mes amis. Waouh ! Seigneur, sauve-nous. Être un enfant. Vous pensez que Dieu est impressionné par les apôtres ? Vous pensez que Dieu est impressionné par les prophètes, les évangélistes ? Mais non ! Dieu n'est pas impressionné par moi, par Chora. Pas du tout. Non. Non, il n'est pas impressionné parce que nous gagnons les âmes. Il n'est pas impressionné parce que nous achetons des bâtiments. Il n'est pas impressionné parce que nous organisons des programmes et des millions de gens, des milliers de gens. Non. Dieu n'est impressionné par personne. Dieu veut que nous soyons simplement des enfants. Voilà. La deuxième caractéristique d'un enfant, c'est l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Dans l'humilité, là, je vois, mes amis, le pardon. Parce qu'un enfant, même quand vous le grondez, il va pleurer, il va aller dans un petit coin, il va tout quelques temps après, il oublie. Il ne va pas t'en tenir rigueur. Mais nous, les adultes, là, si tu as une dent, nous avons une dent contre quelqu'un, parfois c'est compliqué. Il faut se l'avouer. Nous sommes humains. Voyez ? Et ce n'est pas toujours évident. Alors Dieu dit parfois, pardonne. Bien sûr, le pardon n'exclut pas les conséquences. Mais plus nous grandissons, plus notre cerveau se remplit de choses, de souvenirs. Mais un enfant, il n'a pas beaucoup de souvenirs, hein, parce qu'il est enfant. Il va te dire quoi, il y a 10 ans, j'ai vécu telle chose, il y a 30 ans, j'ai vécu ça, pas du tout. Voyez ? Donc il est tout neuf. Donc Jésus veut que nous soyons tout neufs. Voyez ? Donc l'humilité, le pardon, l'humilité, mes amis, forcément si tu l'as, ben, tu vas pardonner à tes ennemis. Tu vas pardonner aux gens qui te font du mal, qui te critiquent, qui te combattent. Seigneur, je leur pardonne, je prie pour eux. Seigneur, que ton nom soit béni. L'humilité, c'est aussi le fait de reconnaître qu'on a mal agi. Non, là j'ai mal agi, Seigneur, pardon. Là je reconnais, pardon. Vous voyez, Adam et Ève, quand ils sont tombés, quand Dieu les a interpellés, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quand Dieu appelle Adam dit non, mais c'est pas moi, hein, c'est la femme.
que tu as mise auprès de moi. Il a indirectement accusé Dieu de lui avoir donné une femme. Et Dieu se tourne vers la femme. Ève, pourquoi tu as fait ça? Au lieu de dire, j'ai fait ça, Seigneur, pardon. Elle dit, non, c'est le serpent. C'est toi qui l'as créé. C'est toi qui as laissé le serpent être dans le jardin. Vous voyez, quand il se tourne vers le serpent, il n'avait personne. Et ils nous ont communiqué cela, Adam et Ève, comme nous sommes descendants d'eux. Voilà pourquoi nous avons tendance à nous justifier tous. Hein. Ah non, mais vous savez, c'est pas vraiment dans ce sens. Dieu veut simplement que nous reconnaissions que nous avons mal agi. Je parle à tout le monde, aux frères et sœurs, et de manière globale, soyons des enfants dans notre marche avec le Seigneur. Nous commettons tous des erreurs, nous avons tous des manquements, nous avons tous des failles. Nous sommes tous sauvés par grâce. Personne ne peut lever la main, moi le premier, pour dire je suis parfait. Non, nous sommes parfaits par la foi en Christ, grâce à son sacrifice, grâce à son sang. C'est par grâce. La reconnaissance. Là, j'ai mal agi. Alors, c'est bon, Seigneur, garde-nous, pardonne-nous. Seigneur, je veux avancer avec toi, tout ça là. Voilà, comme les enfants. Tu dis, chérie, tu as mal agi. Ah, papa, pardon. Vous voyez, le pardon. Le pardon, le cœur d'enfant. Un cœur qui pardonne, un cœur qui oublie. Oublier ne veut pas dire faire de nouveau confiance aux gens qui veulent nous tuer. Mais oublier veut dire simplement que je ne veux pas rappeler à la personne ses erreurs du passé. Voilà. Être des enfants. C'est important, c'est ce que le Seigneur veut. Vous savez, les enfants, quand on le voit, vous n'allez pas voir un enfant de 2 ans vous dire qu'il est raciste. Vous n'allez pas voir un enfant de 2 ans vous dire qu'il fait partie du Ku Klux Klan ou d'une confrérie bizarre. Vous n'allez pas voir les enfants de 2 ans, 3 ans vous dire qu'ils sont francs-maçons. Vous n'allez pas voir les enfants de 2 ans, 3 ans faire des travaux forcés aux gens. Vous n'allez pas voir les enfants de 2, 3 ans chercher à avoir des titres pour se glorifier. Voyez ? L'innocence, l'enfance, c'est l'innocence. Voilà pourquoi Dieu demandait aux Hébreux, lors de la Pâque, de sacrifier un agneau de 1 an. Un agneau qui avait 1 an. Pourquoi 1 an? 12 mois. C'est l'innocence. Un agneau qui était pur, qui était innocent. Voyez? Voilà ce que Dieu veut. Que nous soyons comme des agneaux. D'ailleurs, nous sommes des agneaux. Pourquoi on n'a pas dit bélier? Pourquoi agneau? Agneau, c'est l'enfant. L'enfant du bélier. Hein? Voilà. Nous sommes des agneaux. C'est important de le souligner. Donc, soyons comme des enfants. Et si vous n'avez plus un cœur d'enfant, priez que le Seigneur vous aide. Quelle que soit votre élévation, priez toujours, prions toujours que le Seigneur nous donne un cœur d'enfant. C'est-à-dire, un enfant va toujours reconnaître que son père est plus grand que lui, que sa mère est plus grande que lui. Un enfant va reconnaître toujours que, c'est souvent nous, hein, on était comme ça avec nos parents. Pour nous, nos pères étaient les plus forts, hein, même s'ils étaient courts, petits, mais c'était les hommes les plus forts. Voilà. Et Dieu veut que nous soyons comme ça avec lui. Un cœur d'enfant. Il y a beaucoup de choses à dire sur le cœur d'enfant. Soyons comme des enfants, frères et sœurs. Battons-nous pour ça. Le Seigneur nous fait cette grâce. Gardons nos cœurs purs. Restons dans l'enfance vis-à-vis du Seigneur. Même s'il nous élève, soyons comme des enfants. Et c'est cela la grandeur, selon Dieu. La grandeur dans son royaume. La grandeur, selon Dieu, ne consiste pas dans l'implantation des églises dans le monde entier. Non. Dans le nombre de personnes gagnées dans son royaume. Non. Dans le nombre de miracles opérés. Non. La grandeur, selon Dieu, est dans le service. Servir Dieu dans l'adoration, dans la louange, dans l'obéissance. C'est dans le service des uns des autres, c'est servir les autres. C'est cela la grandeur selon Dieu. C'est avoir un cœur d'enfant, un cœur qui dépend du Seigneur pour être nourri, un cœur qui dépend du Seigneur pour être conduit, un cœur qui dépend du Seigneur pour être vêtu, un cœur, mes amis, humble, qui pardonne, un cœur humble qui écoute les conseils, qui écoute les réprimandes et qui se corrige, un cœur qui, n'est-ce pas, reconnaît que Dieu mérite toute la gloire, même si les hommes peuvent être idolâtres. Même si les hommes peuvent se tromper de Dieu en prenant les hommes pour des dieux. Mais nous devons refuser l'idolâtrie, refuser ces choses-là et donner toute la gloire au Seigneur Yeshua. Je voudrais ce soir dire à tout le monde que je ne suis pas mieux que vous.
que Jésus-Christ est mon Dieu. Je veux le servir comme un enfant. Tout ce que nous avons vécu jusqu'à ce jour, depuis que nous essayons de faire l'œuvre par son esprit, grâce à son esprit, depuis que Dieu se sert un tout petit peu de nous, je voudrais dire à mon Père Céleste que je veux être toujours un enfant. C'est-à-dire reconnaître que sans Jésus-Christ, je ne peux rien, je ne suis rien. Tout est grâce. À Dieu seul la gloire. Je vous donne rendez-vous demain soir à 19h30. Que Dieu vous garde. À bientôt. Au revoir.